On a STDFM qui te dit bonjour aussi, enfin salut, plein de monde. Attention, il y a les As et les Rois, les copains. Oula. Voilà, attention, ça va faire du dégât là. Double M qui a les Rois. Attention, c'est à 3 bêtes à 850. Double M qui a 3 bêtes à 850. Matt qui a les As, putain, les copains. Une chance sur 200. Une chance sur 200. Oh, oh les trèfles. Oh, il y a personne qui a les trèfles. Baby board. Oh là 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 là, mon dieu. C'est très dangereux, très dangereux. On est déjà à 1850 dans le pot, les copains. Alors, quelque chose qui va faire que WM Manu va se sortir de ce mauvais pas, de la pas meilleure des façons, c'est que Matt n'avait qu'avec 5000 et il lui reste 3500, donc même s'il perd tout, il perdra que 5000. Lui, hey, toi, t'es drôle, toi. Toi, tu dis ça. Non, mais il reste que 3000, quoi. Non, mec, 3500. Il reste que deux salaires. Tu vis 3 ans au Havre. C'est ça, exactement. Ans, exactement. C'est énorme. Mais non, mais là, c'est 500 ça, 2000. C'est ça. Alors je sais pas si. Ça va pousser. Hein. Ça va pousser. Ouais, ça va il va tout mettre au milieu. Il va tout mettre au milieu. Ça va pousser les gars. Ah voilà. Ça va pousser les gars. C'est snappé, putain. C'est snap call, c'est snap call. C'est snap call, attention. Les As, les Rois. Eh ouais, l'ambulance. L'ambulance. Attention. Attention. Et ça voilà. Part. Et voilà, c'est un double up. C'est un beau pour double up, hein. Matt qui va pratiquement atteindre l'un des plus gros pots de ce début de soirée, 8850 € dans le pot, un up de 4500. Je crois qu'on avait eu 4650 une fois. Hein. On est pratiquement sur le deuxième plus gros pot de la soirée. C'est énorme. C'est énorme, énorme. Il se retrouve avec un stack de 10000. Et on peut constater l'émotion. On ne lit absolument pas. Oui, voilà, il est parfaitement stoïque. Voilà, ils ont perdu un caramba. Ouh là 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 là. Il y a bataille, il va se passer quelque chose. Paire de dames dans les mains de Steve. WM à As-Valet, il décide de compléter. AK devrait folder. K7 aussi, bouche 9-3 pareil. 8 et 7 dans les mains de Kev, c'était 6, voilà, on a fait le tour. On a nos deux protagonistes, on a nos deux adversaires. Ils vont s'affronter. Ah, ça a été payé plusieurs fois, je croyais qu'ils allaient folder. Cold assez rapidement. Waouh! Oh là 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 là! Attention, vous êtes prêts? Il avait un joli stack. Il s'est bien battu. Mais il avait pris qu'un de floppé. Waouh, 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 waouh! Le setup invraisemblable. Oh. Bush y va aussi. Waouh, 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 waouh. Alors, ça peut ralentir un petit peu l'action. Parce qu'évidemment, n'importe quelle personne en possession d'un valet dans ce coup aurait quinte. Et ça va certainement alarmer, hein, informer nos trois protagonistes. Voilà, Bush, regardez, il a dit ok, c'est pour moi. Attention à la doublante. Attention à la doublante ou au valet qui ferait split. Pas de doublante, pas de valet. Ah, quel dommage pour cette paire de dames qui brelante. Mais qui brelante sur quinte floppée. Steve contre Manu. L'affrontement fratricide. Ah, ça a été payé très rapidement. Oh, il va être dégoûté. Ah, il va être dégoûté, Steve. Oh, même pas. Ah, il est déçu. Pas dégoûté, il est déçu, simplement. Ça rigole pas. C'est une game... un petit peu affûté comme un katana japonais. C'est un peu sticky, ça colle hein, quand même. Ouh là regarde là, regarde le tirage flush max. Regarde le tirage flush max. Même on a floppé flush hein, chez HK. Hein. Ouais, justement. C'est la flush, mais il y a le tirage flush max. Ça va faire mal. Là, ça va faire C'est-à-dire que ça va accrocher quoi. Ah, il va y avoir un blessé là. Je peux vous dire qu'il va y avoir un blessé. Les 4 joueurs ont checké. Alors attends. 4, 6, 2, 5, 1, 3. Allez, pour le sport. Pourquoi ça check tous là? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'idée? Oh, oh monsieur! Oh my god! Oh my god. Hey, en plus, il a la dame! Tu vois, c'est oh ça, my god! Attends, bouge pas! Voilà. Tu vois ça? À vouloir checker comme un Jean-Jacques, excuse-moi de le dire. Au feu les pompiers, à vouloir checker comme un Jean-Jacques, vous vous êtes fait piéger. L'accident! Oh. Et là, c'est le drame! C'est le drame! Aïe! HK qui s'y voyait, avec couleur floppée, a laissé toucher son adversaire. Bien joué! Attendez, y'a Matt qui a raise ou je rêve? C'est un. Donc ça, c'est magnifique. Alors là, c'est la régalade. Parce que y a HK qui a couleur floppée. Et il regarde combien il a mis. Il a bête. Il est raise en position par Matt à Matt 2005. A 2005. Et y a un all-in derrière chez John à 5450. Non, mais Matt, là... il a essayé de voler le coup. Après, Ah ouais, mais là, c'est. Voilà.
Et là, allez, qu'est-ce qui se passe? Allez, on open. Il a foldé HK a foldé? Non, me dites pas que c'est possible. Incroyable, incredible. HK incroyable. A bet, il se fait raise, il est mis à tapis et réussit à folder. Comme dirait notre ami Benayil, que s'est-il passé? Que s'est-il passé dans ce coup? Eric, alarme, American Airlines. Il va y avoir un drame car Eric ne va pas lâcher sa paire de 10. Il a mis 400, il est 3 bêtes à 1100. Il va tout mettre dans la chevaffe. Oh là là! Oh, c'est affiché à ça! Mais qu'est-ce que c'est ce spasme? Dame 4 de trèfle tapis. Qu'est-ce que c'est ce spasme? 5 600 euros, dame 4 de trèfle tapis. Non, oh my god. Aïe. Non, mais aidez-moi, ça n'existe pas ce qui se passe. Il a brûlé? Oui, il a acheté ses 10. Mais là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a quoi? Ah non, on avait vu dame 4, mais non, c'est une vraie main. Il a As-Roi. Non, il a As-Roi. Excusez-moi, on avait vu dame 4. Non, il a As-Roi. Alors, c'est As-Roi contre les 10. Oh là là, oh le drame, tu sens le drame? Deux carreaux contre deux carreaux. Nuts flush draw. Ah là, Nuts flush draw plus straight draw. Attends, trop d'out, tu la out. Et pas. Oh là 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 là. Est-ce que tu viens pour les vacances? Oh là 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 là. Et ouais. Oh là 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 là, c'est horrible. Le docteur pansement est demandé en table numéro 18. J'ai plus faim, c'est bon. Le docteur pansement, s'il vous plaît. Ah oui, quand même. 7950 avec Roi 10 de carreau. Eric, bon. 9 et 5. Il a... c'est la première fois que. 4700 euros, 9 et 5 chez Eric. Ouais, les gars, je pense que je vais pas être en habilité de commenter cette table. Ouais, c'est compliqué. Ah ouais, il n'y a pas de questions à se poser, c'est ferme les yeux et regarde. Comme dirait l'autre. Alors, Valet, 7-9. Stop. On arrive. Ah là là, mon dieu. Tout le paquet chez Steve. Deux turns de river. Allez, c'est parti. Deux turns de river. Ok. Donc là, ça gagne chez Eric pour la première. Et ça gagne chez Eric, hein? Les deux, non? Non, le deuxième, il fait qu'un 3-10. Ah oui, 9-10 valet d'un roi, effectivement. Ce kit bons amis. Son kit bons amis. Alors vous voyez que pour les 9, tu veux dire, il y a 39% pour Matt parce que il y a des cartes de brûlé, il y a des outs de brûlé. Ouf. Un de board ou pas? Un 8 ou quoi? Eh ben ils ont pas demandé apparemment. Ah et ben, voilà, il a été chercher son un as. 8 pour le sauver. Et un 8. Oh et voilà. Là 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 là. Quelle lecture de board. On demande le docteur. Monsieur, on n'appelle pas les cartes sur ce stream. On demande le docteur aiguille et fil. En salle numéro 8. Yaïaïaï, Bouche qui s'en sort in extremis grâce à cette river improbable. Moi j'ai dit ça pour plaisanter, hein. j'y connais pas trop. Et pan. Et non, pan, c'est le drame. On n'appelle jamais rien. On n'a rien appelé. Hein. Non. On a dit il ne reste qu'un 8 pour le sauver. Voilà. On n'a pas dit le 8. On a brûlé des cierges, on a prié, mais on n'a rien appelé. Mais une top paire solide. Mais plus la gut shot. Là on tient. Attendez les gars, on tient peut-être le coup de la soirée là. Alors j'irai pas jusqu'au coup de la soirée. Parce que Bush a tirage. Oh, c'est parti. Il y a 3 gut shots et un brelan là. Là je peux vous dire qu'il va y avoir du sport. Steve a tout mis normalement. C'est censé son style. Je crois que c'est Eric qui a tout mis déjà en tout cas. Il a open show. Il a dû avoir une miss. Je sais pas. Bah non les gars. Il reste Hassan. De toute façon ça peut pas être foldé chez Hassan. Alors il reste deux dames les gars. Il reste deux dames dans le paquet. Qu'est-ce qu'il lui dit? Un flop, deux flops, qu'est-ce que tu dis? Deux je crois, c'est pas sur deux. Deux flops? Il part sur deux flops? Ouais, je pars sur deux, je crois. Eric a demandé deux flops. Toi, dans ce genre ça, de situation, tu fais quoi là, Kappa? Tu en demandes deux ou pas à cause du draw? De manière générale, il faut tout le temps draw deux fois. D'accord. Comme ça, tu lisses un petit peu plus la tu variance. Tu laisses un peu la variance, ok, ouais. Bon, alors, celui-là, il reste pour Eric. Ouais, celui-là, ça va jusque-là. De toute façon, il reste que deux dames, hein. Ça va être. Oh! Incroyable! Là, il se dit finalement. Ça, c'est dur, ça. Là, il se dit, j'aurais dû demander un. J'aurais dû demander qu'un seul flop. Ça split. Ouais, mais je sais pas ce qu'il a fait, John. Il est en bluff avec son valet, je sais pas ce qu'il fait. Ah, il y a la flush qui est rentrée, est-ce qu'on va miser maintenant notre valet? Bah, John, je sais pas dans quoi il s'est embarqué. Hein. Oh, qu'est-ce qu'il nous fait? Quel est son objectif? On va peut-être pas miser. Bah, vu qu'il a pas joué beaucoup de mains, il se dit qu'il peut faire fold Eric. Hein. Mais là, il y a pas encore. Hein. Non, mais tu sais qu'Eric, là, il est en difficulté, hein, honnêtement. Hein. Sur John, oui, c'est ça? Il a joué 3 mains? Ça fait 1h30 qu'il a pas joué une main, John. Et bah, il va le faire folder. Il va le faire folder, regarde. Waouh! Wow. Ah, oui. Ah, oui. Énorme.
Et là, il lui montre. Ah, mais c'est... honnêtement. Alors là, là, je connais Eric, ça va partir en cacahuète. Prochaine main, c'est All-in. Regardez. Il vient de dire. Bah, après, je comprends son fold. Hein. J'aurais fait pareil, j'aurais fold. Ouais, c'est compliqué de payer. À 3, il a le droit de là, là, Eric a attaqué le gin tonic. Je peux vous dire que ça va pigner en cacahuète. All-in. Payé, all-in payé, 10 et 9 de carreau contre paire de dames. Alors attention, il y a une dame de carreau. Donc s'il y a un carreau, il resterait encore des carreaux pour améliorer. Alors il n'y a pas de carreau, donc par contre ça a ouvert. Oh, waouh, Matt qui fait match. Échec et mat de match, de mat. Excusez-moi, je me prends les pieds dans le tapis. Eh les potos, les twitchers, on me fait un petit follow là, hein. Et il fait pas péter son follow. Attention. Attention, on a appelé l'ambulance. Attention. Âprement, il se dit qu'est-ce qu'il est en train de me faire. Louis, il a mangé Louis avec Hassan, avec Moundir, on a mangé ensemble tous. C'est payé? Waouh! Waouh! Wow. Là, là, je me trompe pas. Là, c'est le plus gros pot. Cette fois-ci, on y est. Le plus gros pot de la soirée, il est là. Paire de dames, as-roi, paire de 7. Bram! Accident. On y est. Attention, attention, voilà le flop. Tout de suite un as. Oh là 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 là, doublante. Oh là là, doublante. Oh là là, attendez, c'est pas fini. Il reste des 7, il reste des dames. Waouh! Full! Waouh! Waouh! Ah oui, ils ont demandé deux boards. Ah, il gagne deux fois. Il gagne deux fois. Il gagne tout. Oh là là, ils ont tiré deux boards. Incroyable, ils ont tiré deux boards et Hassan gagne tout. Attention, attention, il reste 5 cartes, comme vous voyez, le roi de cœur et le 5 de cœur ont été brûlés. 5 cartes pour que John. Oh là 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 là. Oh la river. Oh là 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 là. Ya ya ya, il y a John qui va payer. Eh oui, forcément. Voilà, John qui dit je vais sûrement coller, j'ai la couleur. Je suis pas assez bon pour faire le bet. Call. Flash. Il a pas le choix, tu payes ça. Ah ouais, j'ai payé 3800. Pas assez, il a 15 000 derrière. 9 et 2, c'est la favorite d'Emery, je suis obligé de la jouer. Turn, wow, turn 8, full pour Young. Wow. Wow. Là, là, il à peut moins... y avoir du sport. Alors, yaïe. Là, c'est un coup qui va, dans lequel va y avoir beaucoup d'argent. Donc, il va relancer tout de suite. 3500. Alors, est-ce que Manu va réussir à s'en sortir? C'est quand même compliqué. Non. Tapis payé, c'est ça? Ouais. Non? Ah non, non, il lui a demandé combien? Il lui a demandé un compte. Il a combien, Yang? Il a encore de l'argent derrière. Il a encore... 5000. Ouais, un peu plus. C'est plus que des piles de 20, j'ai l'impression, en termes de taille. Mais oui, un peu plus que 5000. Et là, Manu... C'est compliqué, hein, parce qu'en face, il peut y avoir des gros tirages. Il peut y avoir genre des 9 et 10 de trèfle, 9 et 10 de pique. Il peut aussi avoir un meilleur valet, Yang. Il peut avoir Dame Valet, il peut avoir Valet 10, il peut avoir Roi Valet, As Valet. Un meilleur brelan, à mon avis, il s'imagine pas une seule seconde qu'il a paire de 8 en face, parce que je rappelle que Yang a misé sur le flop. Oui, donc il est complètement invisible dans cette situation. Donc le full, je ne pense pas qu'il puisse lui traverser l'esprit qu'il a paire de 8 et que oui, il turn, il a fait un 8. Alors là, la question c'est, est-ce qu'il a attaqué en tirage? Après, je parlais de 9 et 10, mais est-ce que 9 et 10 va attaquer le flop? C'est pas sûr. Est-ce ouais. que Manu va arriver à... Non, non. Il n'a pas trouvé un fold. En fait, ici, il n'est battu que par un meilleur valet ou un, alors, un full. Là, il, pour sauver Manu, il faut un 5 ou un valet. Je dirais, ou un 9. Ou un trèfle. Ouais, ou un trèfle pour le sauver de l'hécatombe. C'est ça. Ouais. Mais là... Non, non, en plus, ici, là, ça le rassure. Parce qu'il se... Enfin, ça le rassure. Il se dit que il son adversaire avait un valet. Dans soi, ça change rien. Là, c'est tapis. Là, tu... c'est vraiment compliqué comme situation. All-in. Ouais, c'est un gros pot. Un gros pot, hein. Si Manu call ici, le pot fait 20 000 euros. C'est vraiment compliqué.
Surtout quand tu connais pas ton adversaire en fait. Parce que est-ce que c'est un adversaire qui est capable de bluffer et d'être fraté comme ça? Ou alors. Parce qu'en fait ici, il y a deux possibilités. Soit Young bluffe les trèfles et alors bon, il a la meilleure main. Soit il y a un valet en face depuis le début et tous les valets de son adversaire le battent quasiment. Il y a rarement. Il va rarement voir valet 6 de carreau par exemple chez son adversaire. Elle est souvent calculée. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, Adri, aller nous chercher la posture de Yang? Comment il est là, Yang? Je voudrais voir. Ah, c'est vrai que c'est. Regarde, ça. En plus, plus on a Manu qui lui jette un regard. Oh il cherche un petit peu des informations. Là, il lui parle de 7 et 2. Alors, est-ce qu'il dit ça parce que ça lui traverse vraiment l'esprit ou est-ce qu'il dit ça pour essayer de récupérer une réaction de son adversaire? Parce que son adversaire qui était stoïque, qui ne bougeait pas, bah là Manu lui a parlé, il a réussi à avoir une réaction. Alors quand on a beaucoup d'expérience en live, est-ce qu'il va voir des choses? Est-ce qu'il va se dire que son adversaire a l'air trop confiant? Il vient lui parler mais de ne pas comprendre ce qu'il dit. Alors moi j'aimerais bien voir Manu les... Non, il les a pas reposés. Ah, il y a beaucoup ça le soir, plein de lugs, on a des lugs. En plus, avec la tête, il y a des Louis, 21 150 euros dans ce pot. C'est ce que je disais, le pot est incroyable, énorme. 11 150 euros de bénéfice. Je regrette d'avoir laissé mon siège. C'est un siège magique. Oh, c'est payé. Oh, le pot qui se constitue sur cette main, mais c'est incroyable. Incroyable. Bête payée. Regardez, on est à 18 250. Et là, regardez. Un 10 qui ne change rien. Hassan est toujours devant. All-in. Donc ça doit être... Il avait dit 15 000 en noir tout à l'heure, je crois, Hassan. Il a dit roi-dame. Il est pas loin. C'est dame-valet. C'est... Le ride est bon. C'est-à-dire que... Il y a une tonne d'or dans ce pot. C'est payé. Incroyable. 38 450 euros dans ce pot. Waouh. 38 000 euros, je sais pas si incroyable. C'est le plus gros pot de en fait c'est le plus gros pot. C'est le plus gros pot des 4 jours. C'est simple, c'est 40 000 euros sur ce coup.